C'est en 1970 que naît le mouvement de libération des femmes. Objectif du MLF, dénoncer une société patriarcale et combattre les discriminations à l'égard des femmes. Le mot sexisme fait alors son apparition. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Les seins, le cul. Dans la société française, le mouvement est loin de faire l'unanimité. On n'en veut plus. Loin d'être compris aussi. À chaque fois qu'on parle du MLF, on dit on est contre les hommes. On dit vous on est parlez pour les mecs, femmes. Vous parlez de ceci, c'est pas vrai. On est pour les femmes. On est absolument. De toute façon, la moitié des bonnes femmes, elles vivent avec un bon homme. Donc alors, je vois pas pourquoi on serait contre les hommes, ça alors. Parmi les combats des féministes, la lutte contre le viol. Dans les années 70, il n'est pas encore considéré comme un crime au regard de la loi. Dans les mentalités, on est encore très loin du changement. Qui sont les femmes qui se font violer? Les aguicheuses. Celles qui veulent bien. Une femme qui est majeure ne peut pas être violée parce qu'elle a déjà elle a été mariée ou elle a déjà un homme déjà. Le viol à proprement parler, ça n'existe pas. Autre exemple édifiant, l'indulgence d'un président de cour d'assises sur le viol d'une autostoppeuse en 1976. Le violeur ayant été condamné à une peine réduite. Il est certain que les hommes sont ce qu'ils sont, qu'il faut éviter, par exemple, j'emploie cette expression, d'allumer, puisque c'est l'expression d'un garçon, et puis après de faire machine arrière. Alors chaque procès pour viol se transforme en tribune militante. Le mouvement de libération des femmes et l'avocate Gisèle Halimi se battent pour que le viol soit reconnu comme un crime et qu'il soit jugé en cour d'assises. Cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. En 1978, Gisèle Halimi parvient à renvoyer une affaire de viol collectif aux assises. Je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. Les violeurs qui s'en sont pris à deux touristes belges écopent de 4 et 6 ans de prison, des peines exemplaires à l'époque. 2 ans plus tard, la loi reconnaît enfin le viol comme un crime. Les années 90, elles, lèvent le voile sur le harcèlement sexuel. Au travail, les témoignages se multiplient. Je vous engage à condition que vous vous foutez à poil devant moi. J'ai encore une fois refusé. Il m'a dit c'est pas bien, il dit vous auriez dû accepter. Quand je prenais un dossier dans une armoire, je me suis retournée, il avait baissé sa braguette. En 1992, le harcèlement sexuel devient un délit. Les peines encourues sont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.